Monsieur Guilele, avant de vous laisser, dis-moi un coup de chapeau au président Joseph Kabila. Durant son discours, il a dit que dans 48 heures, ça je reçois le message venant du président de l'Union africaine, Alpha Condé, disant qu'il félicite aussi le président Joseph Kabila de ce qu'il a tenu sa parole. Dans 48 heures, il aurait nommé un premier ministre. Et du moins, il en a fait après 48 heures. Bruno est là. Ne pensez-vous pas que quand même, M. Kile aurait donné coup de chapeau au président Joseph Kabila de ce qu'il a tenu à ses mots et il a réalisé cela juste pour rechercher la paix dans la nation congolaise. C'est une honte que la politique congolaise soit téléguidée de l'extérieur. D'autres pays ne le font pas. En Guinée, lui, quand il a été nommé, qui a téléguidé la Guinée? Quand ils ont tué les gens au stade, personne ne l'a fait. Donc, s'il félicite son soi-disant Kabila, c'est son problème. Ils sont tous des meurtriers. Hippolyte Kajambe de Kanembe n'a rien réalisé. J'ai suivi son discours. Il appelle l'état de la nation. Je pense que ce discours ne peut pas être appelé un discours de l'état de la nation, c'est un discours de l'état de son âme. Comme Maman Olang a l'habitude de le dire, ça état d'âme naïe, ce n'est pas l'état de la nation. Parce que l'état de la nation, c'est la guerre, le social n'est pas accompli. Nos enfants n'ont pas de bourse d'études. Les enseignants et tous les fonctionnaires ne sont pas payés. On les paye 80 dollars, parfois même 50, alors qu'ils louent des maisons de 80 dollars et de 50 dollars. Alors on se demande, dans les paniers de la ménagère, ils restent avec combien? Les citoyens congolais sont tués partout. Il n'y a pas de relance économique. Il n'y a pas de nouvelles entreprises qui engagent la jeunesse congolaise, parce que quelque part dans son discours, il a parlé de la jeunesse congolaise, l'espoir du Congo. C'est chaque année que les universités, les écoles déversent la jeunesse congolaise sur le marché, qui deviennent des vanneurs de Makala. Nombreux deviennent des pasteurs et nombreux sont devenus des Kuluna. Alors, il le félicite en quoi? Où sont les 5 chantiers que Tchala Mwana, à tout moment, était en train de dédier des chansons pour eux? Certains musiciens qui étaient forcés sans doute, mais une sorcière telle que Tchala Mwana à tout moment chantait. Tchere, 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 tchere. Il était en train de louer Kabila. Où sont les 5 chantiers? Il n'y a pas de relance économique. Pendant 16 ans, le type n'a rien fait, il ne mérite pas de félicitations. C'est quelqu'un qui doit être appréhendé, jugé et exécuté. Lui et tout son cabinet. Donc, il ne mérite rien. Et je suis pessimiste quant à l'organisation des élections au mois de décembre, parce que dans son discours il a juste dit que tout ce que nous faisons c'est parce que les élections doivent avoir lieu, mais il n'a pas donné une date, que c'est tel jour, telle date. Et d'abord il n'a pas la légitimité de fixer la date, parce que il n'engage pas le Congo, les Congolais, il engage son groupe qu'il appelle le MP, la majorité présidentielle, c'est tout. Donc le Congo n'a pas de chance, vous savez, d'avoir toujours à sa tête des dirigeants qui sont crétins comme lui. Mobutu était charismatique, mais il ne nous a pas laissé le développement. Nous avons raté Laurent Kabila, et voilà, on nous amène un crétin qui devient président et qui fait de nous ce qu'il veut. Ce n'est pas sa faute. Je vais terminer ces mots en félicitant
Hippolyte Kajambere Kanambe. En tout cas, monsieur Hippolyte Kajambere Kanambe, tu es un génie. Tu as su te maintenir au pouvoir pendant presque 16 ans, régnant sur une bande d'idiots, professeurs d'université, politiciens, ingénieurs, médecins, qui rampent devant toi, qui t'applaudissent, qui sont ivres, qui te dédient des chansons. Tu es un génie. Et tu dois toujours remercier Papa Wemba Kyatiwe et les Chege qui ont lancé le terme Chance Elokopamba. Toi, tu es Chance Elokopamba, président d'un pays tel que le Congo. C'est une grande première. Sureur de chaussures, mécanicien, receveur de taxi, bandit. Toi, tu tuais les gens à Lubumbashi, je connais. Et du coup, tu deviens président d'un si grand pays tel que le Congo. Vraiment, chance à l'Oncle Pamba. Mais je te dis que tu vas mourir comme tout le monde. L'argent que tu as volé ne va pas prolonger ta vie. Ne va non plus pas te ressusciter. Tu as raté l'histoire. Il fallait passer. Tu es entré par la petite et il fallait y sortir par la grande porte. Nous n'avons rien contre toi. Tu es un être humain. Il a fallu que tu dises, ben, je suis ici, j'ai choisi le Congo et je vais développer le Congo. Tu ne l'as pas fait. Tu es juste un petit goinfre, pauvre, émanant d'un pays pauvre. Et tu as vécu de la pauvreté, toi. Et Kagame, regarde d'abord ton patron Kagame. Mince comme la menthe religieuse, mince comme un ver de terre. Malgré tout ce qu'il vole au Congo, Ayakanae Mounen était mis sur Bima Bouenet, menthe religieuse, net crapaud. Et toi aussi, tu vas finir comme lui. L'Occident est prostitué. C'est la grande Babylone biblique. Saddam Hussein a tout donné à l'Occident. Ils l'ont pendu comme un chien. Charles Taylor a tout donné à l'Amérique, des diamants. Il croupit à la haie. Et il y a bien d'autres exemples. Des gens qui ont tout donné à l'Occident, qu'ils ont fini par tuer. Le Rwanda n'a rien. La Tanzanie, le Burundi, l'Ouganda n'ont rien. Et toi, tu es membre d'un pays pauvre. Tu as un esprit pauvre. On te trompe par les Mobutistes. Ils te trompent comme ils ont trompé Mobutu. Et tu vas mourir dans la pauvreté, laissant tout ce que tu as amassé. Tu peux construire des immeubles en Tanzanie, inaugurer des immeubles partout. Ça n'a rien, hein, petit. Le Congo est notre. Et nous allons rester au Congo. Et toi, tu ne vaux rien. Espèce de criminel. Voilà, chers amis, téléspectateurs, nos amis internautes, nous sommes presque à la fin. Ça, c'est l'intervention de M. Djemadare Kilele, le président national congolais ici en Afrique du Sud. Vous avez suivi son intervention. Quant à moi, je suis Bolois, je suis presque à la fin. On est presque à la fin de notre intervention de cette semaine, de ce mois ici. Nous avons voulu évoquer ce qui est à l'actualité de notre pays et au travers le monde entier. Bah, congolais, nous sommes tous les il faut battre la racine, nini. Ah! Soko uzali congolais a solo et singeli otala bobele Congo dialogue. Congo dialogue. Eh, tembete. Ozasi. Soko di congolais a solo o kokiko zanga mokolo mokote et singeli otala bobele Congo dialogue. Oyeba makamo uzali koleka kuna. Donc www.congodialogue.com. Soko za congolais a solo. Yango wana. Papa kunze talobi yango. Foko talaka.
Congo dialogue.com.